Hey, salut tout le monde, c'est Ryusuke. Je vous souhaite la bienvenue pour cette toute nouvelle série. J'ai nommé Pokémon le défi. Alors Pokémon le défi, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas suivi un petit peu tout ce que je vous ai balancé dans les quelques vidéos précédentes? Alors Pokémon le défi, c'est très simple. Ça va être une série Pokémon sur la base d'un nouveau jeu. À partir duquel je ne ferai mes combats uniquement avec le starter. Alors, sans plus attendre, on va se lancer tout de suite. Bien bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est Chen. Les gens souvent m'appellent le professeur Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. On l'a dit à peu près 20 fois, non déjà ? Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques, pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Ouais, donc en gros, y a pas que deux solutions. Tout d'abord, quel est ton nom ? Ah, mon nom ? Ça rentre au moins ? Ouais, ça devrait le faire. Comment je bascule? Ah voilà, très bien, parce que du coup la touche select, je sais même plus à quoi elle correspond. Enfin bref, alors un petit Y, un O, un S, U, K, E. Voilà. Ok, ton nom est donc Ryusuke. Voici mon petit-fils. Il est ton rival depuis sa toute jeunesse. C'est quoi donc son nom déjà? À vrai dire, c'est un petit détail auquel je n'ai pas pensé. Le nom du rival. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? On va l'appeler Régis. C'est bien Régis. Ah oui, je me souviens. Son nom est Régis. J'avais pas envie de me casser la tête à trouver un autre nom. J'aurais très bien pu mettre autre chose, mais voilà. Ryusuke, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Dingue! Donc, on se lance dans cette toute nouvelle aventure. Alors, non, je retire mon premier objet qui est la potion qui était dans le PC et puis on va se lancer tout de suite sans trop perdre de temps. Ce que je vais faire, c'est que pendant qu'on perd du temps et pendant qu'on fait un petit peu du blabla, je vais lancer un petit chrono. C'est bien de lancer un chrono aussi des fois, ça permet de savoir où on en est. Voilà, très bien. Voilà, allez, on sort tout de suite de la maison. On va aller au plus court, au plus simple, on va pas s'embêter à chercher. Hé, toi là, ne pars pas! C'est super dangereux! Des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes. Il te faut un Pokémon pour te protéger. J'ai trouvé! Suis-moi! Oh, ces petites musiques! Pépé, j'en ai marre d'attendre. Régis, Ah, c'est vrai. Je t'ai dit de venir. Tiens, Ryusuke. Voici trois Pokémon.
mais ils sont dans des Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Et oui, mais avec l'âge, il ne m'en reste plus que 3. Choisis-en un. Bah, Pépé, mon bébé, et moi. Patience, Régis. Tu en auras un aussi. Comme ils étaient ridicules, les textes de l'époque. On a quoi, là? Ah ben, on a Salamèche, et ben c'est très bien. Ils préfèrent les endroits chauds en cas de pluie. De la vapeur se forme autour de sa queue. Alors, pourquoi Salamèche? Pourquoi je vais prendre ce Pokémon et pourquoi pas un autre? Pour la simple et bonne raison que, pour le début de l'aventure, je vais devoir farmer comme un gros porc. Et vu que je tiens pas personnellement à le faire plus tard, je préfère me faire chier au début où je sais que ça va être dur, mais une fois passé ce cap, ça devrait le faire. Alors bien évidemment, Salamèche évoluera, je vais pas me priver là-dessus, et surtout, on va profiter du combat pour bien expliquer les règles de Pokémon le défi. Alors, veux-tu Pokémon de feu, Salamèche? Oui, ce Pokémon est très énergique. Ryosuke obtient Salamèche. Allez, on s'en fout. Non, on veut pas lui donner de surnom. Régis va prendre Carapuce. Et on va se tirer. Et ce qui va déclencher la colère de Régis, Minute Ryosuke. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Ah putain, il y a une partie de mon enfance qui me revient là. Alors, Pokémon le défi. Les règles sont simples. J'ai un starter. Je ne me priverai pas de capturer d'autres Pokémon pour la simple et bonne raison que je vais en avoir besoin pour la suite du jeu. Parce que sans capture de Pokémon, je peux pas débloquer certains événements. Oh, putain, il fait mal le con. Et du coup, je ne peux pas progresser dans le jeu. Cependant, aucun des autres Pokémon que je vais avoir, à part peut-être en off si je dois les faire évoluer, donc je farmerai un peu avec eux. Mais sinon, aucun autre Pokémon que Salamèche, durant le Let's Play, ne prendra part au combat. Et pour augmenter un petit peu plus le défi, je vais résister un petit peu là, je peux pas faire un... Ah, parce que c'était ça mon coup critique. Ah oui, l'attaque de Carapuce ennemi a échoué. Oh, ça c'est très bien. Et parce que j'ai envie... Je peux pas faire un deuxième critique là? Bon, bah je vais être obligé d'utiliser ma potion. J'aurais préféré la garder, mais bon, tant pis. Ah, mais il était vraiment énervé, en fait, aujourd'hui. Enfin, en fait, ça serait passé. Bon, j'ai préféré la jouer safe. Pour la simple et bonne raison que si, durant un combat, Salamèche meurt, la série meurt aussi. Oh! Et on gagne 70 points d'XP et on monte niveau 6. Voilà, je vous ferai pas l'affront des premières stats. Quoi? Incroyable! J'ai pas pris de bon. Et on gagne 175 Poké-Dollars. C'est très bien. Ok, je vais entraîner mon Pokémon. Ryosuke, Pépé, à plus tard. Allez, c'est ça, du vin, tire-toi. Voilà, alors j'en profitais aussi, je fais... un petit stop, je vais juste baisser un peu le son de mon casque. Oh voilà, ça va mieux. Oh, ça fait du bien aux oreilles. Oh là là. Ah, il est violent le son quand même, on dirait pas comme ça. Allez, c'est parti. Et heureusement d'ailleurs, je vais, là pour l'instant, je vais rien couper, comme à mon habitude, on n'est pas sur un émulateur, on est
bien sur le jeu d'origine, sur la cartouche d'origine. Je suis plus précisément en train d'utiliser ma GameCube pour pouvoir jouer à ce jeu absolument extraordinaire qui est Pokémon Rouge, et sur laquelle d'ailleurs je vais littéralement écraser ma sauvegarde. C'était d'ailleurs mon premier jeu Pokémon, le fameux Pokémon Rouge que je suis en train d'utiliser. Lui va nous donner un objet, si je dis pas de bêtises. Salut, je travaille à la boutique Pokémon. Nous avons plein d'articles. Viens nous voir à Jadiel. Prends donc ceci comme échantillon. Et c'est parfait, on obtient une nouvelle potion. Ça va nous aider pour la suite de tous ces événements. Et jouer à Pokémon avec la manette GameCube, eh ben c'est pas de la tarte. Un Roucool. Bon, pour l'instant, le Roucool est niveau 2. Il est bien niveau 2. On lance une attaque griffe. Alors au début, ça risque d'être un peu, un peu long, un peu chiant, un peu rébarbant. Par contre, la suite sera un peu plus cool, je pense. Cool, Roucool, j'avais même pas fait gaffe. C'est pas grave. Enfin, tout ça pour dire que les Roucool, quand ils passent un certain niveau, qu'ils apprennent certaines attaques, disons qu'ils vont me mettre très clairement dans la merde. On monte niveau 7, c'est pas trop mal, on va aller directement. Là pour l'instant je vais pas trop chercher à fouiller un peu tout ce qu'il y a, les machins, les trucs et les bidules. Je vais aller directement à l'essentiel. Hey, tu viens de Bourg-Palette? Tu connais le prof Chen? Sa commande vient d'arriver, peux-tu la lui apporter? Moi, là, on obtient le colis de Chen, je sais absolument pas ce qu'il contient. Mais bon, c'est pas grave. À la rigueur, aux œufs. Hmm. Puisque moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le Pokédex que je vais récupérer. On va passer par les hautes herbes. Au pire, ça nous fera un peu d'XP. Et au moins pire, on pourra toujours se soigner chez maman. En avant, Salamèche. On lance griffe. Il n'est pas tout à fait mid-life. Vivement quand... Oh ouais, le critique est bien placé, ça c'est parfait. 24 points d'XP. Et on continue, hop. Petit cut. Hop, nouveau petit cut. Et on est arrivé. Ou presque. Un Roucool. Niveau 3. Devrait pas nous poser de problème. Une tornade, on prend 3 points de dégâts, jusque là pas de soucis, on relance une nouvelle fois griffe, mais en même temps, de toute façon, tu veux lancer quoi? On n'a rien d'autre. Il me reste 10 points de vie, le Roucool est KO, et on va gagner 23 points d'expérience. Je m'attendais à un dernier petit combat, tout va bien. On va directement livrer le colis. Alors, tu vois là, à cet endroit-là, on a 2 Pokédex. Jusque-là, tu me suis. On a aussi la Pokéball, si tu regardes bien à droite, qui pop. Mais bon, c'est pas grave, ça on s'en fout. Donc du coup, je sais pas du tout ce qu'il a dans ce fameux colis. Ah, c'est peut-être les Pokéballs qu'il va nous donner. Ryusuke, comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime bien. Tu m'as l'air doué pour entraîner des Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Oh! C'est la Pokéball que j'ai commandée. Merci! Ah, c'est bien ça. Voilà. Et le fameux Régis qui revient. Pourquoi tu m'as appelé? Bon, j'ai une faveur à vous demander. Il y a sur ce bureau mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Ryusuke et Régis, prenez ces Pokédex. Faire un guide
complet sur les Pokémon du monde entier. C'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Allez, roulez jeunesse. Que la grande quête des Pokémon commence. Ok, Pépé. Donnez-moi tous. Ryusuke, c'est clair, j'ai pas besoin de toi. Minable. Tu vois, le minable, la race qui va te mettre. Je sais. Je vais voler une carte à ma sœur. Et je lui dirai de ne pas t'en donner une. Connor. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, allons soigner notre salamèche. Ryusuke, tu devrais faire une sieste. Ah, bien. Toi et tes Pokémon est en pleine forme. Comment je suis vraiment obligé d'appuyer sur Start? Je suis vraiment obligé d'appuyer sur Start. Ok. Voilà, donc Salamèche. Eh bien, il, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va aller récupérer une carte. Même si je pense que je m'en servirai jamais. Mais si, peut-être une fois ou deux pour montrer un petit peu où on est, où est-ce qu'on n'est pas, tout ça, tout ça. Tu dois faire une course... Non, c'est déjà fait. Prends ceci. Ça peut servir. Et voilà. Et la sœur de Régis nous a quand même donné une carte. Ah, qu'est-ce que je suis malin. Ah, j'adore cette malignitude que j'ai en moi. Et putain, voilà, zéro Pokémon rencontré dans les hautes herbes. Putain, ça pouvait pas m'arriver tout à l'heure, ça. Quoi qu'on aurait pas level up, ça aurait pas été marrant. On en est où, d'ailleurs? Toujours niveau 7. Toujours niveau 7. Et il nous manque... 23 points d'expérience avant de level up. Du coup, au niveau des objets, qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas regardé si on avait des Pokéballs, parce que là, les Pokéballs, ça va être utile. Non, alors on va aller directement à la boutique pour s'en payer quelques-unes. Ah oui, tu vas m'aider. On va en prendre une dizaine, ça suffira. Voilà, 10 Pokéballs pour 2000 Pokédollars. Antidote, je vais en prendre une juste au cas où. Non, un antidote, pas une antidote. Parce que ce qui m'attend un peu plus haut, c'est pas que ça m'inquiète, mais voilà. Alors, on va en profiter, là. On va profiter de ce petit combat. Pour voir un petit peu sur quoi on va tomber. Et surtout, un Rattata. De niveau 3. Il est pas tout à fait midlife. Hop. Ah, le critique qui tombe bien. Au moins, il est KO. 24, parfait, on passe niveau 8. Et le prochain, on va le tenter à la Pokéball. Un Roucoule. Niveau 4, c'est très bien ça. Ça me plaît. Hop, allez, on lance griffe. Ah ouais, d'entrer un critique. Ah, ça c'est pas cool ça. C'est pas cool parce que j'aurais aimé... Ah, lui aussi, un critique. Très bien. Allez, un critique pour critique, c'est pas grave. Ma chaise qui craque, super. Hop, allez. Pokéball, go! C'est parfait. On a un Roucoule niveau 4. Qui nous servira pas. Du moins pour les combats. Il est souvent vu dans les forêts, il brasse l'air de ses ailes près du sol pour projeter du sable.
Eh ouais, et je peux t'assurer que j'en ai des mauvais souvenirs de ce Rukul quand il bat des ailes pour brasser de l'air et jeter du sable. Est-ce qu'on veut lui donner un surnom? Absolument pas. Est-ce qu'on se tenterait pas le Ratata? Je pense qu'on va se tenter le Ratata. Et puis au pire des cas, ça fera un petit peu d'expérience. Allez. Un Ratata niveau 2. Ça, c'est vraiment petit, ça. Mais c'est petit, ça, comme niveau, hein. Ah bah heureusement que j'ai pas fait un critique. Allez, ça devrait être jouable normalement en une Pokéball. Ça devrait le faire. Tu vois que c'est lui qui va me poser le plus de problèmes. Parfait! Profil de Ratata est transféré sur le Pokédex. Du coup, sa morsure est très puissante, petit et rapide. On en voit un peu partout. Pas de surnom à lui donner non plus, et on va aller en direction des hautes herbes qu'on a à nord, sud, est, ouest, à l'ouest de Jadiel. Je me souvenais plus des points cardinaux. C'est grave, docteur? Des Pokéballs? Mais t'as des Pokémon? C'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut, hein. Est-ce que il y a juste ça qu'il faut que je fasse. Voilà, je suis désolé, mais le texte, faut qu'il aille vite. Alors pas que je vais certainement pas réussir à suivre le texte à cette vitesse-là, très clairement. Mais j'ai juste envie que ça speed un peu plus. Hop là, petit changement de zone, on va pas aller trop loin parce que je tiens pas trop pour le moment à déclencher le combat contre le rival. Parce que je me rappelle qu'on a un combat de rival. Ah voilà, Nidoran, parfait. Quand je te dis qu'on va rencontrer du Pokémon. Quand je te dis qu'on va faire de la capture. Ou pas. Bon, c'est pas grave, on va continuer à balader. On sait très bien que là-dedans, il y a du Pokémon. Un Ratata, on va le knock out, lui aussi. Un niveau 2, question XP, c'est pas top. Combien de... Oh, ça va. 29 points. On a encore de quoi taper. On n'est pas à la rue. Ça fait 16 points d'expérience supplémentaire. Alors, j'essaie vraiment de pas taper à chaque fois. Mais bon, vu que pour l'instant, j'ai pas encore trop l'habitude du truc. Voilà, re-Nidoran. Ce coup-ci, niveau 3. Je suis mid-life quand même. Il va falloir que je fasse gaffe là. Ça, c'était beau, ça. Allez, la Pokéball, c'est pour maintenant. Parfait. Du coup, j'ai même pas lu. Je suis désolé. Il va falloir que tu reviennes un petit peu en arrière et faire pause pour le lire. Ou alors, je vais rattraper mon erreur. C'est là. Info, voilà. Son ouïe très fine l'avertit du danger. Plus ses cornes sont grandes, plus son poison est mortel. Voilà, c'est bon, j'ai rattrapé ma boulette. Alors, on va faire un dernier petit combat, peut-être. Non, c'est toujours un Nidoran. On aurait pu rencontrer. C'était qui déjà? Un Ferro-singe là-dedans pour avoir. C'est très rare, mais on peut. Gros yeux, ça c'est bien ça, gros yeux, surtout quand ça échoue. Allez, un dernier petit coup. Hop, on perd un peu de défense. Et le Nidoran de niveau 3 est KO. On sort des hautes herbes, on va aller en direction du centre Pokémon. Et puis, on se quittera là pour cet épisode, si tu le veux bien. De toute façon, même si tu veux pas, dans tous les cas, c'est moi qui choisis d'abord. Voilà, ça règle le problème. Il est comme ça, Ryusuke. Oui, je veux soigner mes Pokémon. En particulier, Salamèche.
Les autres, après, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment. Voilà qui va clôturer ce premier épisode. J'espère qu'il t'aura plu et j'espère que l'idée de cette nouvelle série te plaît. Si c'est le cas, bah écoute, retrouve-moi pour la suite dans quelques jours et je te dis à très très bientôt. Porte-toi bien, c'était Ryosuke. Allez, bye bye.